Monde, on l'exploite, ouais. Donc, on m'a posé des questions sur Facebook et YouTube. Je vais répondre aux questions sur cette vidéo là. Donc, c'est juste pour vous dire que voilà. Que bon, on m'a dit que pourquoi je chante des musiques, c'est pour que je dis aux petits de grandir, d'arrêter de faire des conneries, de vendre de la drogue, du shit, de se faire prostituer pour rien, pour faire des pétasses, pour être un pute quoi, pour pas pour acheter à manger à leur faim. Voilà quoi. Donc, cette petite vidéo là, je le fais pour que. Parce qu'on va poser plusieurs vidéos sur Facebook et tout. Moi, je vais répondre à cette vidéo. Sur cette vidéo là. Donc, c'est pour que moi. Par rapport que j'entends la musique. C'est pour que les jeunes d'aujourd'hui. Je dise 1. D'arrêter de vendre la drogue. 2. De vendre du shit. Des dealers. 3. Être prostitué, ça sert à rien. 4. La vie, c'est que. Il y a un collège, il y a l'école primaire, il y a la maternelle, il y a tout ça. Donc, on nous a mis à l'école pour apprendre à l'école. C'est pas pour boire l'alcool. C'est pour que tu apprends à écrire des armes, des trucs, à savoir écrire, à savoir lire. Donc, l'école, c'est pas pour faire juste pour te faire chier que tu vas aller dans tes cours matin, midi et soir. C'est pour faire pour que tu apprennes des choses, quoi. Donc, l'école, c'est pour faire pour ça. Donc, il y a mission locale, il y a Pôle emploi, il y a des formations dans ta gauche, école, tout ça. Donc, de se lever le matin pour se dire, bon, là, je vais chercher une formation, là, je vais aller taffer, là, je vais travailler, quoi. C'est ça qu'on doit se dire dans la tête. Mais on va pas se lever le matin, à 5 h du matin, pour être dealer, quoi, aller vendre du shit en bas du balto, en bas du balcon, ou chez toi, en bas du hall. Ou je sais pas quoi, moi je sais pas vous dire quoi, parce qu'il y en a qui se réveillent à 5 h du matin, ils descendent en bas pour aller vendre du shit. Tu vois, ça se fait pas ça. Ta mère et ton père t'as pas appris ça. L'éducation de ton père et ta mère qui t'ont appris, c'est de aujourd'hui que tu te lèves le matin, tu vas à l'école, tu vas taffer un travail. C'est ça que ta mère t'a appris. Maintenant ta mère elle est là, elle pleure quand tu vas garder à vue. C'est elle qui a les douleurs, c'est pas tes potes qui sont là pour pleurer, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui je suis venu juste pour vous dire pourquoi je chante. Moi je chante pour vous dire la vérité, qu'est-ce que je vois dans ta gauche, parce que c'est dans la merde qu'on est foutu là, tu vois. Donc voilà que c'est venu aujourd'hui pour cette interview. Pour dire aux gens qui m'écoutent, les fans qui m'écoutent, je vous remercie, grâce à vous je vais aller loin. Les gens qui me critiquent, je vous remercie, je vais aller aussi loin. Les gens qui m'insultent, après qui va se plaindre dans ta gauche que, ouais voilà que c'est ma génie que ta mère. Moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Moi, il y a des gens qui viennent sur mon Facebook, là, ils viennent m'insulter, m'envoyer chier. Après, ils disent des trucs à ta gauche, relax. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis un homme. Si j'ai un truc à dire, moi, je te dis face à face. C'est pas sur un écran que je vais te dire quelque chose. Parce que moi, je suis un homme. Donc, il y a qui viennent me casser les couilles, qui viennent me saouler, qui viennent m'insulter. C'est pas la peine de m'insulter après d'aller se plaindre à droite à gauche, tu vois. Si t'as un truc à me dire, voilà, viens me le dire en face, on va régler ça. Viens pas me chercher. Après, tu vas dire à droite à gauche. Parce que là, c'est pas comme ça. Comme j'ai dit dans mes vidéos, moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai un cœur. Moi, je te comprends, tu me comprends. Donc, les personnes qui me cassent les couilles, maintenant, ils vont voir. Parce que là, vous croyez que je rigole avec vous à droite à gauche, maintenant, c'est bon, quoi. Donc, les gens vous prennent comme des cons parce que voilà, il y a un truc sur Facebook. Il y en a qui disent que je les ai insultés et se plaignent. Moi, je n'insulte personne sur Facebook. Moi, si j'ai un truc à le dire, moi, je mets sur mon statut, je le dis face à face, cash, tout le monde le sait. Donc, moi, je suis comme ça, je suis réglé. Donc, si j'ai un truc à le dire, moi, je le mets face sur mon statut. Quand un tel me fait chier, je vais le casser les couilles, tu vois. Il va venir sur tes messages pour t'insulter, tu vois. Il y en a aussi qui m'envoient chier, là, je sais pas qui. Moi, c'est relax, tout le monde me connaît. Donc, cherchez bien relax où tu avant de le chercher, parce que vous me cherchez sur Facebook à droite à gauche, des hommes et des ragots, mais quand on va se voir face à face, je te casse ta gueule, parce que moi je parle de personne. Tu me vois trop petit comme ça parce que j'ai un mal d'estomac, tu vois quoi, j'ai mal d'estomac, c'est pour ça que je suis comme ça. J'ai la maladie de l'estomac, donc tôt ou tard je vais mourir, mais avant de mourir, moi je veux dire la vérité, je veux dire qu'est-ce que j'avais à dire, quoi. Donc, bon, bref, je veux juste vous dire, ton père, s'il te voulait pas, soit dans ce monde, il n'aurait pas baisé ta mère pour venir dans ce monde. Excusez-moi pour être vulgaire pour ce terme. Parce que maman t'a porté 9 mois dans son ventre. 9 mois, 9 mois dans son ventre. Tu vois, s'il voulait pas que tu sois dans ce monde, il t'aurait tué, avorté. Aujourd'hui, les 9 mois sont passés, maman t'a gardé, aujourd'hui, t'es sorti dans son ventre. Tu vois quoi? Tu fais des conneries. Tu crois les conneries que tu fais à ta gauche, que tu insultes, on va chier, c'est moi qui va mal, c'est nous qu'on va avoir mal au cœur. Moi, je m'en bats les couilles, mais c'est ta mère qui pleure après.
Tu vois, donc moi je suis juste là pour vous dire que grandissez. Voilà, Sprout, moi je suis là pour vous dire que moi j'ai que la vérité. Petit, assieds-toi un jour. Assieds-toi, écoute-toi l'axe. Écoute bien, bien mes paroles et comprends-les bien. Soit dire que j'ai raison. Parce que moi je chante pas pour rien dire. Moi je chante pour dire qu'est-ce que je vois sur Facebook, qu'est-ce que je vois sur le net. Qu'est-ce que François Hollande n'a pas dit sur ses. Quand on l'a voté. François Hollande, on l'a voté, il a fait quoi? Il a fait juste un truc de mariage pour tous. Tu vois à droite à gauche, il y a des clochards qui dorment dans la route. Tu vois des prostituées, des drogués, des gens quoi, des trucs bizarres quoi dans ce monde, tu vois, dans la France et d'autres partout. Parce que le président, les gens qui ont voté, ils sont là, ils disent, je vais changer ça. Il n'y a rien qui change, voilà. Donc il faut qu'on soit fort, fier, d'arrêter de faire des conneries, de grandir, voilà. Parce que là, on n'est pas. On croyait, on est des. Qu'on a la tête, voilà. On est venu dans ce monde, voilà, pour faire des choses. Le courant, le soit là, courant, et respecter Dieu, on est venu là. Les gens, ils boivent, ils fument, ils se droguent, dealer, quoi, shit et tout ça. Bon, bref, c'était une petite review, c'est pour dire à mes fans, je vous remercie de m'écouter. Les gens qui m'apprécient, je vous remercie. Les gens qui m'envoient chier, je les remercie. Les gens qui disent des trucs sur Wallach, je les remercie. Donc, ou c'est un bémout, moi, Nang. Wallax Pro 2015, une interview. Sois Gneges. Appelle-moi Wallax. Et garde bien, j'ai peur de personne. Meuf de Easy dans la maison. Meuf c'est Easy dans la maison, Mayotte. Amandi. Wallax Pro. Big up à tous mes frères de Pamandi.